Aujourd'hui les gars, je vais activer des hacks pour tricher dans le défilé de mode Mario de mon petit frère. Sincèrement les refs, c'est une grosse vidéo, la map a énormément de hacks et c'est dans le thème de Mario, je kiffe l'univers. Franchement n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin les gars, c'est vraiment une pépite. Et si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, l'abonnement il est totalement gratuit, vous appuyez sur le bouton rouge et vous activez la cloche. Actuellement je rush les 800 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner dès maintenant avant le million, ça fait plaisir. En plus il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne, je suis dans Daily Upload. Et je fais une grosse dédicace à toutes ces dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup de toute votre force. Donc si tu veux passer dans ma prochaine vidéo, abonne-toi avec la cloche des notifications, c'est totalement gratuit. Et aujourd'hui, seuls les qui ont déjà joué à Super Mario ont le droit de liker la vidéo. Et un grand merci à ceux qui me soutiennent avec le code créateur. Mon code créateur il est simple, c'est PJP. Vous êtes plus de 60 000 à me soutenir, merci beaucoup de toute votre force. Et n'oubliez pas le code PJP pour pécho ça crush. Ok les gars, on est directement dans le défilé de mode Mario de mon petit frère. Honnêtement, regardez-moi tous ces skins Mario, il y en a énormément. Bon du coup, comme vous pouvez le voir, tous les abonnés sont en place dans le défilé de mode. Aujourd'hui les refs, le thème du défilé c'est le thème Mario. On a pas mal de skins en rapport avec ce thème là et ça fait plaisir. Regardez-moi le décor les amis, on a un petit Goomba juste ici et juste là les gars, on a un petit monstre de Mario, c'est trop mignon. D'ailleurs il y a un petit jeu, seule l'élite connaissent le nom de ce personnage, donc n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Comme vous le savez les gars, on n'est pas là pour rien. Aujourd'hui je vais activer des hacks dans le défilé de mode Mario. On a du coup un skin comme ceci. Ok, un skin en glace. Je crois qu'il est censé représenter Kamek. Ok ok, la pioche elle va plutôt bien avec le skin, honnêtement je valide. Son sac à dos il est cool aussi. Vas-y, je vais te laisser te qualifier mon ref. Le défilé de mode a déjà commencé, je vais vraiment me dépêcher les gars et je vais aller dans la forêt car tous les hacks se situent dans la forêt. Regardez les gars, ils sont tous là-bas en train de faire le défilé de mode. En plus on est carrément dans le thème, il y a carrément le château de la princesse Peach dans Mario. Et cette fois-ci on a du coup l'étoile au quai de Mario. L'étoile qu'il y a dans Mario Galaxy. Ok, elle est super stylée celle-là. Pour le coup je la valide de ouf. En plus de ça le sac à dos va trop bien avec le skin, honnêtement c'est incroyable. Elle est en or un petit peu comme ton skin, c'est un peu doré, j'aime beaucoup. Vas-y, je vais te laisser te qualifier. Toi il y a moyen que t'ailles loin. Il faut vraiment que je me dépêche les gars, il y a un tuyau top secret sur la map. Ok, normalement si je passe par les buissons il est là. Regardez-moi ça les amis, le tuyau secret. Regardez ce que je peux faire avec le tuyau les gars si je monte dessus. Regardez l'intérieur de ce tuyau. C'est vraiment très stylé les gars, sans perdre de temps je rentre directement à l'intérieur et regardez-moi ça les gars, la salle de hack. Franchement les potes, elle est très stylée, c'est l'une des salles des hacks les plus stylées que j'ai jamais vues. Déjà pour être dans le thème de Mario, je peux récupérer des pots de bananes. Je peux bien évidemment conduire le kart de Mario en personne les gars dans le défilé, c'est ce qu'on va utiliser. Je peux aussi utiliser un bonus, ça s'appelle l'étoile d'invincibilité, vous connaissez sans doute. Et bien évidemment les gars, je peux me transformer en skin Toad, en skin champignon, c'est exactement ce qu'on va faire pour la première manche. Par contre comme vous voyez avec mon skin, je suis pas dans le thème Super Mario, je vais changer de skin et on se retrouve juste après. Ok, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire la plante carnivore tout simplement dans Mario. C'est vraiment cool, c'est dans le thème et en plus de ça l'assemblage est stylé. Je valide totalement ton skin mon ref et je vais aller te laisser te qualifier. Ok les gars, mon skin est enfin terminé, il est incroyable. Mais comme je vous l'avais promis les gars, je vais me transformer en Toad pour commencer cette vidéo. Ok les gars, je suis carrément sorti, je me dépêche, vite. Ensuite du coup on a un nouveau skin et cette fois-ci ok, j'ai capté directement la référence. C'est un skin tout simplement Donkey Kong. Juste là, il y a les bananes dans le dos. Comme c'est un singe, il mange des bananes. Je vais te laisser passer quand même, même si on va de vrai, c'est de justesse. Bon, clairement, ma cachette, elle est un peu cramée, les gars. Je me suis mis juste à côté du kart, juste ici. J'ai pas envie que mon petit frère me crame dès le début, j'ai envie de rester un peu discret. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le ref? Eh, laisse ton pote tranquille. Allez, viens, dépêche-toi. On a un skin rouge comme ceci qui est, je pense, censé représenter ma casse. Honnêtement, moi, quand je jouais à Mario, j'aimais beaucoup ma casse, donc je pense que c'est un petit peu en ma faveur. Ok, actuellement, il est en train de passer le dernier joueur et après, ça va être à mon tour, je stresse de ouf. Au niveau de sa pioche, bon, il a choisi ce qu'il avait, honnêtement. Tant que ça va avec le skin, honnêtement, je valide. Je vais essayer de qualifier mon ref. Ok les gars, c'est carrément à mon tour de passer, let's go. Ensuite, mais attends, mais quoi? Mais attends, mais pourquoi le skin? C'est quoi ce skin, mec de malade, gros? Pourquoi il vient d'arriver juste ici? Je sais pas trop si c'est de la triche en vrai. Je crois que c'est censé représenter Toad. Oh mec, la taille de mon skin, il est trop stylé. Surtout que le chapeau champignon, il a un peu les mêmes couleurs que le skin Toad, ça rend trop bien. Même si en vrai de vrai, je trouve que c'est plutôt original. Il y en a aucun qui a eu cette idée. Donc je vais te laisser te qualifier, mon ref. Honnêtement, ton skin est très original. Let's go, les amis. J'ai carrément été qualifié pour le premier round. Je suis vraiment super content. Comme vous pouvez le voir, du coup, tous les abonnés qui sont juste ici sont qualifiés du coup pour la prochaine manche. Et dans la prochaine manche, les refs, on va tout simplement juger les emotes. Comme vous le savez les gars, je suis actuellement déguisé en Mario et en plus les gars sur le kart, regarde, on a pensé à tout mais que ce serait trop bien de pouvoir conduire ce genre de kart. Quoique j'ai pas envie de vous spoiler les gars, mais si vous restez sur la vidéo, on risque de conduire le kart de Mario. Ensuite du coup, on a une nouvelle fois le skin Luigi, il me fait une emote Rocket League. Mais à quoi il joue le frérot? Ah ouais, non, l'amoureux, ta deuxième emote, je la valide pas du tout, malheureusement je vais devoir te tuer, je suis désolé. Oh les gars, c'est bientôt mon tour, je stresse quand même un peu. Ensuite du coup, on a le skin Bébé Kong, ok. Il est en train de totalement de s'affaler sur son siège. En plus de ça, c'est un siège banane, donc je valide totalement honnêtement. Vas-y, je te laisse qualifié. Ok, let's go, c'est mon tour. Regardez les gars, je peux faire apparaître Yoshi. Wouhou, mon Yoshi vient d'apparaître, regardez comment il est trop mignon. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a Yoshi qui vient d'apparaître sur la plaque. Il essaie de chevaucher Yoshi. Attends, mais je rêve. Et regardez les gars, j'ai tout prévu, je me mets dessus et je fais les modes Tagadahu. Mais non, mais le ref mec, c'est pas possible. Il y a Mario qui est en train de chevaucher Yoshi mec, mais c'est trop stylé. Par contre, je sais pas du tout comment il a fait ça, mais qu'est-ce qu'il fait là Yoshi? Non, franchement les gars, c'est une grosse ref à Mario. Pour ceux qui ont déjà joué à Mario Bros, on peut clairement chevaucher Yoshi et jouer avec. Mec, c'est incroyable honnêtement mon ref. Lui vraiment, j'ai l'impression qu'il a des secrets.
secret qu'on n'a pas. Bon, je vais essayer de qualifier. Vas-y, honnêtement, incroyable emote, mon ref. Let's go, les gars, il m'a qualifié, je suis trop content. On va cacher Yoshi, les gars, parce qu'il y a que moi qui ai le droit de jouer avec Yoshi. On a déjà tué pas mal d'abonnés. On va directement passer à la troisième manche. Et cette fois-ci, on va juger les camos. Mon petit frère est tranquillement en train de noter les camouflages. Mais moi, je vais m'enlever du défilé de mode pour retourner dans ma salle de hack. Ok, du coup, il a un camo un petit peu fluorescent. Ça va bien, je trouve, avec l'étoile et surtout les motifs qu'il a juste là. Honnêtement, t'es qualifié, mon ref, je valide totalement. J'en profite tant que je suis dans ma salle de hack, les gars. Regardez, quand j'appuie sur l'étoile bonus, je deviens Mario Invincible. Les gars, j'ai l'impression d'avoir mangé une étoile d'invincibilité. Regardez mon skin, il est de toutes les couleurs. Ensuite, du coup, on a une nouvelle fois le skin Peach qui est juste là. Vas-y, je te laisse prendre le véhicule. Ça fait un petit peu Galaxy. Je sais pas trop pourquoi elle a choisi ça. Je pense que c'est pour faire une petite référence à Mario Galaxy. Donc en vrai de vrai, je te qualifie, mon ref. Ça va bientôt être mon tour de passer, les gars. Et regardez, j'ai un kart de Mario juste ici. Et comme vous pouvez le voir, je peux le conduire en appuyant sur E, les refs. Sans perdre de temps, les amis, vous le savez, je vais carrément le conduire. J'appuie sur le kart et regardez ce qui se passe, je suis téléporté. Bon, malheureusement, j'ai pas mis le kart rouge, je viens de m'en rendre compte que maintenant. Mais c'est pas grave, les gars, on a carrément un kart Super Mario. C'est parti, les gars, on fait des giga drift. Attends, mais il est en train de faire quoi là-bas? Mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, le ref, là-bas? Attends, mais lui, il était pas dans la file des abonnés, mais mec, il est en train de déraper en plus de ça avec la voiture. Regardez-moi ça, les gars, on fait des giga drift, let's go. Comme dans Mario Kart. Mais attends, mais ça serait pas une ref à Mario Kart? Mais si, c'est totalement une ref à Mario Kart en plus de ça, mais lui, je sais pas comment il fait pour sortir des véhicules et des Yoshi de sa poche, honnêtement. Wesh, mais c'est un conducteur de malade, mec. Il te tape des dérapage à la Mario Kart, c'est trop stylé. Honnêtement, mon ref, je suis obligé de te valider. Je suis vraiment trop content, les gars, il vient de me qualifier, les gars. En même temps, le combo Mario Kart plus les pots de banane, c'est trop stylé. On va directement passer, du coup, à la quatrième manche. Et cette fois-ci, on va juger les planeurs. Ensuite, du coup, on a le skin Donkey Kong. Vas-y, je te laisse prendre ton petit planeur, mon ref. Oh, ok, il est parti en l'air. Attention, qu'est-ce qu'il a? Oh non, mon ref, non, tu pouvais faire mieux. Je suis désolé, mon ref, mais malheureusement, je vais devoir te tuer. D'ailleurs, regardez, les gars, j'avais même pas vu, mais il y a Bowser Jr. qui est juste là, mec, il est trop stylé. Imaginez juste, on pourrait avoir un skin Bowser Jr. sur le jeu. Moi, je valide totalement. Et du coup, on a encore une nouvelle fois le skin Mario. Ok, vas-y, je vais te laisser prendre ton petit planeur, mon ref. Ok, let's go, les refs, c'est à mon tour. Je vais faire comprendre à mon petit frère qu'il faut regarder là. Ok, regarde bien ici. Et regardez, les gars, quand je prends le tuyau magique, ça va me téléporter. Attention, voilà, les gars, regardez, j'ai été TP. Attends, mais il est en train de prendre le... Il est en train de prendre son planeur. Quoi? Non, mais attends, mais je rêve ou... Mais non, les gars, c'est le vaisseau de bébé Bowser, mec. Mais il est trop fort, en plus de ça, avec la petite emote. C'est trop stylé, honnêtement, mec. C'est un génie. Mais comment il arrive à faire tout ça, le ref? Il est trop fort. Je suis carrément en finale, les amis. J'ai été qualifié pour le podium. Je suis trop content. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus beaucoup d'abonnés. Et il est désormais temps de décider qui sera le gagnant. Comme vous le savez, j'ai quand même été qualifié pour le podium, les gars. Mais je me suis échappé. Comme vous voyez, mon petit frère est en train de faire la finale et de choisir qui va gagner et qui va être sur le podium. Mais comme vous le savez, j'ai pas triché pour rien. Je vais numéro 1, et pour être sûr d'être numéro 1, les gars, j'ai une technique secrète dans ma salle de hack. Quitte à choisir, honnêtement, je mettrais Kamek juste ici à la troisième place, mon ref. Je suis désolé, même si en vrai de vrai c'est déjà pas mal. En deuxième position, je mettrais tout simplement le skin Galaxy parce que je suis pas trop fan de sa pioche et de son planeur. Et bah forcément, en première position, les gars, je mettrais Peach parce que honnêtement, elle m'a pas déçu du début jusqu'à la fin. En plus de ça, c'est une super référence à Mario. Et comme vous le voyez dans ma salle de hack, il y a un bouton secret pour que je devienne le premier du défilé de mode. Ce bouton va intervertir le premier et moi-même. En gros, le tuyau va aspirer le premier et ça va me faire téléporter à sa place. Il vient de terminer le podium, les gars, c'est à mon tour. Je remplace sa place, let's go. Honnêtement, ton skin était vraiment incroyable. En plus de ça, il était original, mec. J'ai super kiffé ton skin. Quoi? Attends, mais... Non, mais c'est pas possible. Me dis pas que Peach, elle est morte. Me dis pas que Peach, elle s'est fait aspirer par le tuyau, mec. Attends, mais pourquoi lui, il est sorti du tuyau? Je rêve ou il vient de prendre un passage secret? Mon petit frère vient de comprendre que j'ai carrément utilisé un passage secret dans le tuyau et j'ai carrément volé la place du premier. En tout cas, les refs, je suis trop content d'avoir gagné ce défilé de mode spécial Mario. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Et au passage, je tiens à remercier Darky et Arnaud qui m'ont aidé à build toute la map. Ça fait super plaisir. Bien évidemment, il y aura la chaîne de mon petit frère en description si vous vous abonnez à sa chaîne YouTube et lui donner de la force. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un énorme pouce bleu et de t'abonner à la chaîne YouTube avec le bouton rouge et la cloche pour les gros projets comme cette vidéo. Et n'oublie pas aussi le code PJP pour me soutenir dans la boutique, c'était Power. Bye bye!